Bien bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite Xbox 360 qui est d'origine, qui a besoin d'être entretenue. On va lui faire un entretien, normalement elle fonctionne. Donc on va l'entretenir, on va regarder, elle est gravée à combien? C'est une 2007. On va regarder si elle est à combien elle est gravée, on va l'ouvrir pour ça. Et ensuite, bah voilà, on va la refaire bien et on la remettra en... Elle sera en vente. Voilà. Parce que des manettes j'en ai, des alimes j'en ai, j'ai à peu près tout. Tout ce qu'il faut. Et ça, c'est cool. Et bienvenue à toi, Rakui. Est-ce que c'est la bonne alim? Oui, monsieur. Sachant qu'il y a à peu près 45 alim différentes sur cette console. Donc, c'est bien d'avoir la bonne. Donc, on va la tester rapidement pour être sûr que tout roule. Et si tout roule, eh bah, on est bien. Ce disque miroir. Je la branche en filaire. Je crois que la personne m'avait dit oui, elle fonctionne celle-ci. Quand je l'avais achetée. Hop, hop. Se trouve, elle a RRODL elle aussi. Hein. Qui sait? On va voir. La dernière fois que je l'ai testée, elle n'en avait pas. Ça serait bien qu'elle en ait pas. Voilà. Ah, c'était ça. C'était ça qu'elle disait, la bébête. Ma. Je sais pas ce que ça veut dire. Bricophone, il y a toutes les pièces de recherche que je recherche sur le site. Bricophone, je crois que j'ai déjà commandé dessus, c'était bien. J'avais pas eu de soucis. Là, j'ai essayé SOSAV. C'est bien aussi. Code état. Alors, si je tape 3080 335A. Ah, forcément. B800. 0402. C005. 3002. Et voilà. Statut code. Bon, ça a l'air d'être à peu près ça. Sur 360. Page DDHS, ça peut-être. On peut essayer avec un autre disque, hein, j'en ai un. Hein. Ça ressemble à un disque dur HS. System update failed. Quand la vidéo est de 2011. Donc lui, il a comme moi. Is an eject tray and remove any disk. Fais voir. Any disk are remove. Fort bien. With the tray open, unplug the power cord from... Oula, ça sent les... Oula! Ça sent les... Les tutos foireux, ça. Push the tray back in halfway. Quoi? C'est quoi ce cheat code nul? En vrai, j'ai envie d'essayer pour le fun. Plug the power cord. Using the front power button, turn the console on. Ok. Je suis curieux de voir si vraiment ça aide. C'est vraiment un trick nul. Hein. J'ai envie d'essayer de ouf. On essaye ou pas? En vrai, on essaye. Hein. Suis un thug. Ça ressemble à un cheat code nul dans GTA. Qui te fait voir le Bigfoot, mais en même temps, j'ai trop envie d'essayer. Suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Mais non. C'est un vrai tricks. C'est un vrai tricks. C'est ouf. Ah non, ça n'a pas fini, forcément.
Lecture impossible de la mise à jour à partir du disque. Réinsérer le disque pour continuer la mise à jour. Ah, mais en fait, il y a une erreur de mise à jour. Pourquoi ça m'a baissé la musique? Bon. Tu as rien demandé. C'était beau. Et HDDHS. Mais on peut remplacer le HDD comme ça, c'est tout. On va essayer. Attendez, je vais remonter la musique. Je sais pas pourquoi c'est baissé toute seule. Il n'est pas né aux USA, ça marche pas du coup. Tout à fait. Vas-y avec un autre DD. Néné, j'ai un 60 gigs là. Dans celle-ci. Et genre, on peut pas swap les HDD comme ça. Si? Après, j'ai un truc ici également. Je vous montre ça qu'on m'avait gentiment donné. Je sais pas si ça peut m'aider. Nouveau HDD avec les USB. Mais non, mais on peut pas installer d'OS. Si, ça s'installe aussi simplement que ça. On m'avait donné ça. Donc ça permet de brancher au disque dur. Le disque dur, tu vois. Tu mets le CD dedans. AirDrive Transfer Kit. C'est fou. J'ai ça. Attendez, on va essayer sans le HDD pour voir. On va essayer sans le HDD. Que normalement, la console, elle démarre sans HDD. Attendez, la dernière fois, elle avait démarré, je sais même plus. Je suis pas sûr que tu peux réinstaller l'OS. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Non. Il était impossible de mise à jour à partir du disque, réinsérer le disque pour continuer la mise à jour. En fait, il veut une mise à jour. Il est chiant. T'es chiant. Je peux pas te bypasser. Si je te mets un jeu quelconque, dis je mets un disque pour voir. Je mets Forza, on verra bien ce qu'il a dit. Je mets un disque. Soit il veut une mise à jour. Mets la mise à jour sur clé USB. On peut faire ça? Ah, regarde! Hé! Hey! Attends! On va attendre. Ça se trouve, si je lui avais mis le CD de. Non, ça veut pas. C'était trop beau! C'était trop beau! Donc, vous dites qu'on peut réinstaller l'OS avec une clé USB. On va essayer, hein. Let's try. Let's try. Je vais regarder sur internet ce qu'il faut. Pour faire ça. Le format de la clé USB. Tout ça, tout ça. J'ai faim. Vous avez faim, vous ou pas? Allez, le ordinateur. Pardon que je le remplace. Comme ça, de la mienne, c'est comme ça que j'ai pu mettre mon compte live et tout. Oh, allez. USB Update Xbox 360. Comment obtenir une nouvelle mise à jour? Firmware 260, USB 2. Sur tous les drivers. Oula. On va aller sur le site officiel. Humeur écran d'âme TV. Simple moniteur. OLED 40 pouces. Marche bien le site Xbox. Ah, 2013. T'y arrives pas. Hein. N'y arrive pas. Ah bah super. Mais si ça c'est le problème quand tu commences à taper des consoles qui sont plus toutes jeunes.
Il est sous Windows 7. Elle est à quel format? FAT32. Très bien. 2 Go, c'est bien. Ah non. It's not FAT32. Right-click on et mettre FAT32. Très bien. Ok. Cube illégal pour Alien Shop, je signale. C'est quoi Alien Shop? C'est Workshop? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi Alien Workshop. Donc on a un dollar système update. Non, il a pas acheté la licence WinRAR. C'est pas bien. Il met le dossier système update à la racine. Fort bien. Ça, jusque-là, je sais faire. C'est des fringues. Ah, d'accord. Il dispose sur Mega Upload. Oups. Oups. Ok. Et ensuite, il va mettre. Ah, lui, elle marche. Turn it off. Now turn it on again with your USB device attached to the and to be installed automatically. Parle bien anglais, je trouve. Hein. Oh. Et là, il est content. Oh. Et ça fait mise à jour. Très bien. Oh, Discover ID. Qu'il est beau, cette miniature. Alors, fais voir. Est-ce que tu as fourni le fichier? Fuck. Putain, mais Microsoft, sérieux? Débloque les pubs. Ah, ça y est, ça remarche. Fallait enlever les pubs. Comment on télécharge? Le contenu de l'exploitation n'est plus maintenu si vous avez besoin de plus d'informations. Ah. Et mis à jour régulièrement avec des nouvelles fonctionnalités. Bah, tu viens de dire que non. Avant de commencer. Comment effectuer une installation à partir de Xbox Live et d'un disque de jeu à partir d'une clé USB. Télécharger le fichier de mise à jour. Forcément, ça n'existe plus. Fouac. Fouac. Fais chier, putain. Je vais chialer, putain. Ah. On va aller sur tous les drivers, hein, c'est pas grave. Hein. Source sûre, au moins. Birdie. Je sais pas si c'est la bonne version, j'espère. On verra bien. Et pendant ce temps-là, on va formater. Le 404 de la tristesse, t'as vu ça? J'ai envie de chialer. Alors, ah, mais il y a une télé qui m'empêche d'accéder à mon tiroir. USB key. 8 Go. Ah ouais, mais non, ça va être chiant. Hein. C'est vrai, bon, on va prendre une 32. Pas... Ah ouais, mais non, 32, il va bien. Ah, pas 32. C'est vrai que ça rame une clé USB, je sais pas si vous savez. C'est des cartes USB, super. Je rappelle même plus de ce que j'ai. Ça va être chiant à insérer, à enlever. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aime bien tous les drivers, moi. Ouais. Non, mais c'est bien tous les drivers. C'est bien. Hop, on met une USB key dedans. Donc le monsieur, il a dit, tu formates en FAT32. Ça, on sait faire. USBDD. USBD. Formaté. FAT32, démarrer. Yes. Téléchargement. Système update. 7-zip. Extraire vers système update. Le boss. Système update, il est low. Formatage terminé, parfait. Fermé. On ouvre une nouvelle fenêtre. Lecteur USB DD. Et on y va. Impeccable. De parking, non driver, c'est un mieux. Oui, c'est vrai. Et on n'a plus qu'à attendre, on insère tout et on verra. Bon, ça, normalement, j'en aurais pas besoin. Je sais pas si j'en aurais besoin un jour, hein, le kit de dump de disque dur de Xbox 360. Ça veut dire que je pourrais le brancher mon disque dur en USB sur mon PC. C'est fou, ça. C'est fou. On m'avait gentiment donné ça. Hop.
Là, on est comme ça. Je vais remettre son HDD d'origine, sait-on jamais. Si ça va fonctionner avec son HDD d'origine, on laissera son HDD d'origine, hein, c'est pas grave. On est bon. Comme with me girl. Hop, il n'y a pas une prise USB à l'arrière. Ah si, il y en a une là. Tu veux pas? Qui est tombé? Ah. Voilà, ce sera plus simple à enlever. Et relaise gong, du coup. On verra si ça marche. Allez, le petit SSD qui traîne. Je crois que c'est un enfer, la 360 pour. Je crois que c'est pire que la One. Hein. Pire, non, tu restes. Hop. Ça marche bien en tout cas. Ça marche bien. Je délire. Ouais. Je veux bien te croire à Rapid Zapper, comment tu vas? Je vais essayer avec l'autre disque dur, c'est pas grave. Je trouve celui-ci est vraiment dead. Mais j'y crois moyen. It did it again. Et again. Il faut le brancher en façade, je sais pas. Ça marche bien, hein? Ça marche bien. Pourquoi? On va pas se plaindre. Tu vas pouvoir. Ouais, j'ai vu ça, on m'a dit ça ce matin. J'ai vu ça ce matin. Au final, la branche à l'arrière, c'était pas une bonne idée. Point, point, point. Oh, mais quel enfer. Voilà. Kawara. Je vais réessayer en façade des fois que je regrette encore plus de la mettre là, la clé USB qui est toute petite. Voilà. C'est des fois, elles veulent le remplacement. À l'arrière, c'est fait pour autre chose. L'avant, c'est fait pour autre chose. Vas-y, on parle. Allez, on s'allume. Ah bah je l'ai pas branché. Je comprends pas, ça marche pas. Bah c'est la merde, hein. C'est la merde. Il n'y a pas de hard reset, il n'y a pas de boot BIOS sur ce boot BIOS sur ce genre de console. Hard reset. Xbox 360. Tu veux essayer? Oui, c'est avec un autre DD là. C'est un autre DD. DD. Oh, j'ai trop de sites qui me proposent LED. Ça veut dire que ça va être un truc qui est pas intéressant. Réseau par défaut. Reformater le disque dur de la console. Sur la touche guide, paramètres système. Ouais, bah, bien sûr, on va faire ça. Très bien. C'est la merde. C'est la merde, jeune Jean. Comment tu fais? Xbox 360, lock, update. Update. Problème. Ken process update. USB flash. Voilà. Oh, super. C'est la merde, hein.
Se trouve, elle est pucée, hein, on ne sait pas. T'as fait un hard reset? Bah, je sais pas comment on en fait, en fait. Il faut aller dans le menu et tout, mais je peux pas. Je peux pas aller dans le menu. Tu vois, je suis bloqué ici et le site Xbox, il est plus à jour. Sur PS3, il y a manip. Ouais, mais il n'y a pas de manip sur la 360, visiblement. Je vais remettre son disque dur d'origine, sait-on jamais. L'écran pour apprendre la sortie, Kindle OLED. Il est dégoûté. Oh. Oh, ça me fatigue déjà. Est-ce qu'on va rester sur un fail sur la 360? C'est possible, hein. Parce que il n'y a pas l'air d'avoir de tuto pour. Tu as fait ça. Émule-moi les liens, c'est sur Discord. Hein. Les liens, c'est sur Discord, jeunes gens. Les liens sont bloqués ici. Non, t'excuses pas déjà, tu allais chercher de ton côté. C'est que déjà, c'est un bon début. Hein. Salut, Ayapuka Cox. Y plus gâchette droite, c'est quoi ce cheat code encore? Au démarrage? Je sens que ça sent le cheat foireux, ça. Ça sent l'info chat. Allez, on s'allume. Sur une jambe? Non, ça fait rien. USB update Xbox 360. Je pensais pas qu'on allait autant. Enfin, normalement ça reset. Bah, ça fait rien du tout. Je pensais pas qu'il y ait aussi peu d'informations. Alors attends, on va retourner sur le site de Microsoft. Parce qu'au final, il donnait quand même la procédure. Comment effectuer la mise à jour. Sur clé USB. Donc tu mets ça. Débranchez avec l'USB l'ordinateur, regardez avec l'USB à votre console, redémarre la console, lorsque la console redémarre. Le programme d'installation démarre automatiquement. Ça marche pas. Graver la mise à jour sur un CD ou un DVD. Oh, c'est chiant. Ça, j'avoue, ça me fait chier par contre, si je dois graver. J'ai remis, mais je pense que tu as fait. T'as mis ça dans quoi? Ah, c'est là. Go to navigation. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai pas accès au menu, moi. J'ai pas accès à plus que ça. Je peux pas aller plus loin. C'est ça le problème. C'est le Capitalium. Et vous voyez rien. C'est un triste. Je peux pas aller à plus loin que l'écran d'erreur en fait. Sans DD, elle dit quoi? Elle dit pareil. Elle dit pareil sans le DD. Maintenant, Y, gâchette droite, jusqu'à réparation. Ouais, ça fait rien. Ça fait rien du tout. oui, Little Polo. J'ai formaté ma clé USB. Oui. Putain,
Putain, mais tout est en 404, c'est terrible. Tout le monde a... Même Microsoft, ils ont dit, franchement, les gars, la 360, on oublie ça, il y a la One maintenant. Il y a la One, on va pas se prendre la tête. Tout à fait, elle est en FAT32, oui. Si tu prends le disque dur que tu l'installes dans une 360 qui fonctionne et que tu la formates à partir de... Ah, peut-être, ouais. Sans NTFS. Bah, je sais pas, le monsieur tout à l'heure, il a dit non, c'était FAT32. Hein. Mais c'est pas bête, cette histoire. D'aller le reformater via une Xbox qui marche. C'est pas bête. On va essayer. On va essayer. Triste fin. T'as un logiciel Update Spy. Je te mets le lien. Mettez le lien. Les liens, je vois qu'il y a des gens qui... Mettez les liens sur Discord. Hein. Les liens sur Twitch ne fonctionnent pas. Attendez, c'est pas bête cette histoire de d'update la console. Je crois qu'elle marche. Aïe. Aïe, ça tombe. Oh là, si je fais tomber les deux Xbox, c'est la merde. En plus, elle a là aussi un HDD, HDD. C'est le même message d'erreur. Ah, peut-être que c'est pas le même. Mais dans tous les cas, il donne aucune info. Ça se branche, ça c'est cool. On va la démarrer comme ça. Tu vas voir qu'il va me faire un RROD alors que la dernière fois je cherchais des RROD, j'en trouvais pas. Elle s'allume. On va aller voir qu'est-ce qu'elle raconte. La plupart des clés USB sont formatées en FAT32 et devront être reformatées en NTFS. Le formatage d'un lecteur flash USB pour cette procédure efface tous les fichiers qu'il contient. Ben c'est bizarre hein, parce que moi tout à l'heure, comme je disais, je l'ai vu comme il faut. Non. Et dans celle-ci, il y avait un jeu de foot dedans. C'est fou. Hein. On va l'éteindre. Je vais remettre l'autre HDD, voir ce qu'il raconte. Elle est bim hot swap à son premier Xbox. Oh l'enfer. J'enlève le hard drive. Elle est pas jolie celle-là. Hein. Elle est pas en bon état. Elle est un peu poussiéreuse. Enfin, c'est pas grave, hein, ça fait des consoles moches. Ah, je crois que j'en ai même un autre encore de HDD sous mon bureau. Je sais plus où je l'ai mis. Swap de disque. Et on va aller. Je t'ai mis le lien du support Xbox. Ah, c'est en plus, c'est le support Xbox qui dit ça? Fort bien. T'es sûr, c'est pour la Xbox 360? Et pas la One. C'est pas spécifié, mais j'ai l'impression que c'est la One. Problème de lecteur, les mises à jour sont impossibles. Oh! Intéressant ça. Se trouve, il est débranché le lecteur à l'intérieur. Système. Stockage. Oui, il est là. Hein. Profil et tout. Attention. Comment on fait pour formater? Oui. Supprimera toutes les données si j'ai rentré le numéro de série. Oh les bâtards. Il est où? Ah oui, il faut faire. Attends, viens là. Faut aller dans paramètres de la console. Ça, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment pour être sûr. Info système. Il est là le numéro de série. ID de la console. Ah non, numéro de série de la console. Sur un entendu, ça peut marcher. Allez, on tente le BIOS de la One, bien sûr. Entrez le numéro de série. Faisons comme ça.
Faites pas les malines, hein, les 360, hein, parce que vous savez ce qui peut vous arriver. Hein. Il y en a une à la cloquette du GPU. Hein. Elle va me faire un hilote de peur, tu vois. 7, 5, 8, 3, 0, 0, 5. Sur le lecteur pour bloquer le lag de la console, I guess. On fait comme tout le monde, un sale Ubuntu. Il n'y a pas de jeu dans la console, non. Non, dans celle-ci, j'avais pas eu de jeu, je crois. Oh, Kalios, là-dessus, qui rentre. Bon, allez, ça fait plaisir. Bienvenue à vous tous. Tous autant que vous êtes, bienvenue. Comment ça va? Que faisiez-vous de beau? Bonjour, Punky. Que faisiez-vous de beau sur la chaîne de Kalios? Dites-moi en plus. Merci beaucoup pour ton raid, en tout cas. Ça fait très très plaisir. N'hésitez pas, jeunes gens Kalios. Hein. Ça fait du jeu vidéo, ça fait des émissions, ça fait du react, ça fait plein de choses. Et notamment, la dernière fois, il m'a fait le plaisir de mettre les pubs d'époque de la Renault 11. Donc, allez le suivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez me suivre, cette personne. Bien sûr. Ving Design, 20e mois d'abonnement là-dessus. 20e mois d'abonnement. Dingue. Merci beaucoup. Hello les Robillards, comment ça va? Matinal, News JV et dessin animé. Allez, il y avait des choses intéressantes? Et bien sûr, j'ai vu Punky qui était plus haut. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne également, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et oui, ça fait des vidéos de grande qualité. Allez-y, notamment sur le thème du rétro gaming. Et oui, alors, c'est la merde. Ok. On va l'ouvrir. Hein. On va ouvrir la console. On va ouvrir la console. Je vais essayer avec le disque dur de celle qu'il y avait derrière, là, dans le doute. In America. Allez. Pourquoi il n'y va pas, hein? Tu veux pas y aller? Je dis pas qu'il y avait des compatibilités entre disques durs? Si c'est ça, je mange mon chapeau. Pourquoi tu veux pas y aller? T'es pas droit? Je l'ai branché, mais mal clipsé. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Alors. C'est la mission accomplie. Voilà. Mais Cabri, tu n'as pas de chapeau. Mais pourquoi tu dis ça? T'as pas de chapeau. Ça, c'est ce que tu crois. Ah, bien vu. Attention, attention, chapeau. C'est bon. Console hackée, du coup, lecteur empêche la mise à jour. On va essayer, on va l'ouvrir, on va voir. Si elle est hackée, par contre, si elle est hackée avec un pauvre disque dur de 20 gigas, ça fait tiap. Hein. Quoique, ça se trouve, elle a... Bah si, non, si, il a 20 gigas, c'est sûr, parce qu'il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Allez, on l'ouvre, on voit. Chapeau. On va voir. Se trouve, elle est hacked. Et si elle est hacked, on fait quoi? On fait comment? Ça, ça va être la merde. Si elle est hacked, ça va être la merde. Sachant qu'il y a des autocollants dessus, c'est forcément une console hacked. Hein. Sûr et certain. Non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais mettre. Si elle est hacked, c'est sûr. C'est sûr, c'est la merde. On débranche. Et qu'on va l'ouvrir. Alors, c'est la merde à ouvrir. Dans tous les cas, jeunes gens, si vous aviez des doutes. C'est qui qu'aide? C'est qui qu'aide? Hop. Et merci beaucoup pour ton raid en tout cas. Quel bio, c'est très gentil. On a été gâtés aujourd'hui en raid. Hop. Voilà. Oh.
C'est un skater, le proprio. Ah ouais? C'est un truc de skater, ça? Mais moi, je connais pas cette marque. Hein. Vous savez, j'avais zéro style hein, quand j'étais jeune. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, je perpétue la tradition. Hein. Bien sûr. Bah, regardez mon chapeau. Fallait graver les jeux sur CD-ROM. Ah, d'accord. Donc, on l'ouvre. Sur le côté, il y a des petits clips à déclipser. De toute façon, on va voir hein, s'il y a encore le sticker de garantie, c'est que potentiellement elle a pas été, elle a déjà, elle a jamais été ouverte, et donc c'est la merde. Sachant que le lecteur s'ouvre et lit même les disques, parce qu'il a lu le disque et il a voulu continuer la mise à jour. Le PS5 avec le noir peint en bleu et des autocollants. Du meilleur goût. Ah oui! Elle était jolie, hein? Cette PS5 de fouteux. Qui est encore sur Eneba, d'ailleurs. S'il y en a qui veulent une PS5 absolument immonde, n'hésitez pas. Planche. Et la caille égale chaussure. Oh. Sûrement quelqu'un qui jouait à. À des jeux de skate. Ah, ça a peut-être été ouvert de manière propre, regardez. Ça a été décollé. Ça a été décollé. Il y a eu décollage. Il y a eu décollage vers l'infini et l'au-delà. J'arrêterai ma blague maintenant. Ok. Tony Hawk, oui. Pro skaté. Non, pas skato. C'est encore autre chose. C'est un autre jeu. Et là, c'est la merde. Parce qu'il faut déclipser en dessous, à l'arrière. Hop. Alors toi, déjà, on va te tirer un peu dessus. On va glisser un médiateur. Voilà. Comme ceci. Comme ça, ça ne s'ouvrira pas plus. Dit Tony Hawk, American Westland sur PS2 il y a deux jours, c'est toujours un régal ce game. Ah ouais? J'ai envie de tout casser, ça y est. Il y a du lecteur et qu'il a été flashé, il faut le remettre à l'état d'origine afin de pouvoir faire les updates, je crois. Oh bah dis donc. Autant te dire, elle va servir de donneuse d'organes, elle a une très belle coque. Si c'est le cas, en tout cas. Et peut-être qu'elle me donnera même son GPU. Ouvre-toi, salopard! Bip! Si tu te tâches! Putain de tarasse. Mon outil fait un peu la gueule, faut que j'en imprime d'autres. Il y en a en métal. Bah, j'en trouve un, j'en trouve un. Oh, vas-y. Putain. Comme une envie de tout casser. Je devienne fou. Je vous le dis, hein. Salut le Kogan. Putain, je suis pas violent, hein, mais je peux le devenir. Je te le dis, gamin. C'est quoi c'était? Ah, mais c'est l'enfer. La Xbox 360, c'est l'enfer. Dans le plat, ouais, mais non, ça fait des. Le seul intérêt de cette console, c'est la coque. Si je commence à jouer avec. Avec des tournevis plats, c'est pas bon signe. Allez, gamin. Putain. Oh, je vais péter mes outils. Mais un lit de WD-40. Allez. Tu trouves du fil métal pour l'imprimer. Voilà, bonne idée.
Oh putain. Vas-y. Mais pourquoi elle vient pas? C'est déclipsé là. C'est déclipsé. Dit-il avec un chapeau. Je rigole pas, gamin. Je rigole pas, gamin! J'ai envie de forcer comme un bourrin. Et une fois de plus, le seul intérêt de cette console, c'est pour l'instant, c'est sa coque en bon état. Tout va bien. Il y a un petit morceau de plastique qui est venu là, je sais pas quoi il sert. Est-ce que j'ai perdu un truc en façade? Je sais pas d'où il vient le morceau de plastique. D'où ça vient? D'où, gamin? Ok, non, c'est rien. C'est rien. Oui, elle a déjà été ouverte, à coup sûr et certain. Sachez-le. Le lecteur d'origine sans avoir le firmware d'origine du lecteur. Oui, mais tu l'as déjà dit, ça, non? Ok. Donc elle a déjà été ouverte, il manque le petit autocollant ici. Ah, comme je vous dis, hein, si elle a été flashée et qu'elle est irréparable, je récupérerai le GPU dedans, hein, c'est pas perdu. On peut récupérer également bah, les pièces mécaniques du lecteur, hein, ça sert toujours. Et on peut récupérer encore quelques trucs. Donc en vrai, ça peut arriver, mais c'est pas. J'aimais cette musique. Le début de la musique. Et on y va, on démonte. Quelqu'un qui avait visiblement pas les vis. Mais je pense que c'est quasi sûr qu'elle a été flashée. La clé du lecteur qui correspond à la CM. Très bien. Bon, on verra. Oh, il y a eu malfaisage ici. Il y a eu malfaisage ici. Oh, elle a mal été faite à la conception déjà cette machine, c'est marrant. C'est marrant. Et si elle est pucée, c'est intéressant parce que j'en ai jamais eu entre les mains de Xbox 360 pucée. Je suis curieux. Les coups de tournevis que je viens de faire. Elle a déjà été ouverte, je vous jure. Hein. Il y a mon logo qui abrit dedans. Ok. Non mais regardez, ici ça a été mal fait. Mais ça c'est à l'usine ça. Ça c'est à l'usine. C'est fou. Oui, très bien. C'est marrant. Ça c'est marrant. Ça on met de côté. Oh, le beau GPU qui fait partie des premiers, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Alors, est-ce qu'il y a eu... comment on fait pour savoir si elle a déjà subi quelque chose? Le lecteur a déjà été ouvert, déjà, coup sûr. Il y a un morceau de ferraille qui est là. Pas mal Gold Chicken, pas mal, pas mal. Comment on fait pour savoir? On sait pas. C'est si potentiellement il y a déjà eu des traces de soudure quelque part. Ah, j'aurais aimé qu'il y ait une grosse puce dedans, mais il n'y a rien du tout. J'ai envie de chialer. Je suis déçu. Check si elle démarre en l'état actuel. Ah bon?
sans le lecteur. Bah non, sans le lecteur, elle est pas contente. C'est les flashs dont tu peux pas savoir. Ah, mais c'est nul! Ah, moi, je voulais qu'elle soit pucée. Nul. Attention, aspirateur. Voilà. On nettoie un petit peu quand même, hein. Enfin, une fois de plus, hein, t'as Anna, t'as les puces de RAM qui sont là. Ils sont pas les mêmes que nous, que sur l'autre. Je pense que celle-ci est plus récente, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Non, mais on va la démarrer comme sur les sans lecteur pour voir ce qu'elle dit. Je suis curieux de voir ce qu'elle dit. Bienvenue à toi, Mélisse. Merci pour ton follow. Merci pour les follows depuis ce matin là. Vous avez été nombreux à follow. Ça fait très très plaisir. Bienvenue au nouveau. Viens me remuer, j'ai un peu froid. S'il vous plaît, je me les caille. Je me caille les miches. J'irai sur Reddit. J'irai voir les professionnels de la Xbox. Je leur dirai à ma console, elle est flashée, mais elle dit ça. Comment qu'on fait? Et j'adore ces lecteurs-là. Ils sont blancs. Ils sont pas brillants. Façon, c'est fin de selon les modèles en plus. Ouais, bah. C'est ça qui est chiant. C'est ça que j'aime pas trop, moi, avec la 360. C'est que, je sais pas, il y a trop de modèles différents et des hacks qui sont complètement différents à chaque fois. Mais j'aime trop comment elle est fichue. Je suis désolé, mais l'intérieur, moi, il me fait trop kiffer de voir enfin, comment c'est branlé à l'intérieur avec le flux d'air respecté, comme ceci. Enfin, bref. J'adore. J'adore, moi, la conception de la Xbox, je la kiffe. Xavbox à l'ancienne. Putain, Xavbox, quoi. J'avoue. J'avoue. Bon, maintenant, Xavbox est Reddit. Hein. Oh là là, il y a. Attends, attends. Alors. Je regardais la dernière fois une vidéo de Les Numériques qui disait oui, faut bricoler les manches retroussées. C'est mieux. Je suis même moi qui suis censé être réparateur avec des grosses guillemets, je le fais même pas. Et je fais pire. Je suis vraiment un con. Je suis vraiment un con. Je vous le dis, hein. Il est pas tout là, du panda. Hop, on va les mettre derrière. Faut que je me fasse une tresse pour pas qu'il m'embête. Hop. Tac, on redémarre et on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit pareil, elle est pas contente. Ma console est flashée, mais j'ai pas fait exprès. Monsieur, madame, type, oh, dis donc. Alors, vous allez rigoler. J'étais là, j'ai glissé, et paf! Elle est flashée. C'est dingue. Xbox 360. La dernière fois, j'avais trouvé ça. Et normalement. Il m'avait donné les différentes révisions de la 360. Comme ça, on va voir celle-ci, c'est une combien? C'est une quoi? Tac, tac. Je crois que c'est. Non, c'est pas ça.
C'est ça, nous. Nous, l'ancienne, c'était une Falcon. Et là, on a une Zephyr. Et Zephyr. Ah ouais, Zephyr, c'est une élite, hein, ils disent. Hein. C'est les nouveaux modèles. Les New Elite Models avec 120 gigas de disque dur. Ça ressemble à ça ou pas? Fais voir. Je regarde avec les photos sur le téléphone. Sinovich, Sarbi, non. J'ai récupéré ma PS2 il y a quelques mois. Je me rends compte que certains jeux et DVD ne sont même pas lus sur la console alors que les disques sont en parfait état. Tu saurais voir ce qui cloche ou même comment me dire d'où ça peut venir. Elle fonctionne très bien il y a 4 ans. Donc je la range. Et bah potentiellement un bon nettoyage de la lentille. Petit coup de soufflette très léger. Alcool ISO avec un coton-tige, tu viens frotter dessus. En espérant que ça suffise et que ça la refasse marcher. Et si ça marche pas, c'est remplacement de la lentille. Mais ça se fait bien sur la PS2. C'est une autre. Ouais, c'est une autre. Pas bien grosse, cette 3DS XL, ou c'est le titre de la console d'avant. C'est le titre de la console d'avant, effectivement. Déjà pour voir, ouais. Premièrement, un bon nettoyage. Tu peux rien faire avec les lecteurs flash, il faut la remettre en version stock, mais il faut la copie. Ouais, ok. Comme toutes les Xbox, hein. Oui, mais non, ça se trouve, non. Si, c'est comme la Xbox première génération. La Xbox première génération, si ton lecteur lâche, si ton disque dur lâche, tu peux venir dire à la console, accepte tout le monde. Ouvre ton cœur et accepte tout le monde. Ça, on l'a fait. Ça avait marché. Je vérifie, mais les puces mémoire, c'est pas les mêmes, mais en même temps, ça dépend des arrivages aussi. Ça dépend des arrivages. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Tac. Ah, c'est marrant, hein, ça fait partie des toutes premières du coup. Oh, ça chauffe, hein. Bon, ça chauffe. Ah si, quand même, ça chauffe. Compliqué, hein? Compliqué. Ça marche vraiment pas bien, ça. Je suis pas à 30, hein. Je suis en plus que ça, normalement. Ça marche pas très bien, ça. Hein. C'est quand même un peu de la merde. Genre, moi, je suis plus chaud. Je sais que j'ai le sang chaud, mais quand même. C'est bien de la merde. Ok. Ça va la remettre sur le lecteur. Bon, bon, bon. C'est mal barré pour celle-ci. On va pas se mentir. C'est mal barré pour celle-ci. Décidément, ce matin, les 360, dis donc. Elles veulent pas jouer avec nous, hein. Ils sont pas cool, hein. Elles sont pas cool. Celle-ci, je vais pas la refermer. Je vais pas la refermer pour la simple et bonne raison que je la balance par la fenêtre. Non, c'est faux. Pour la simple et bonne raison que j'ai plus d'air dans mon compresseur. Je viens de chialer. Que je vais essayer de faire des recherches. Elle chapeau. Elle chapeau. Je vais essayer de faire des recherches avec nos experts du Discord. Envie de chialax. C'est compliqué aujourd'hui, hein. On commence mal la semaine. Mais on a la 3DS XL, New 3DS XL qui fonctionne. Et ça, c'est pas pire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si sur le Discord on me dit c'est impossible, ta console elle est décédée, tu pourras rien en faire, ok? Elle est flashée, c'est la mort. Ce qui veut dire que potentiellement, il y a de grandes chances que je récupère le GPU de celle-ci pour le mettre dans l'autre. Et là, le rebillage, il peut arriver semaine pro. Hein. Il peut arriver vendredi. Hein. Rebillage surprise, on est là. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Moi, je rebille.
Celle que je vais rendre à la nature. Ah! Le lave-vaisselle. RIP. Grosse potence lave-vaisselle. Petit lave-vaisselle. Parti trop tôt. Exécuteur, tu peux récupérer la clé d'origine. Ah! Flo, tu viens de donner des informations complémentaires. Très intéressantes. Très intéressantes. Jungle Flash en logiciel. Je vais aller, comme je vous dis, je vais aller voir sur. Je vais aller voir sur. Mince. L'outil d'internet qui s'appelle Discord, notamment. Ok. Et ensuite, je verrai. Je vous tiendrai au courant. Et là, j'aimerais bien la souffler avant. J'aimerais bien la souffler. Hop, hop. Je vais peut-être débrancher le ventilo avant qu'il me génère trop d'électricité, qu'il me claque un confinement. Compresseur, c'est quand même la vie pour ça. Hein. L'ATP que j'ai trouvé de toi. L'ATP. Ah, la photo. Ma vraie photo. Alors, tout plaît. Non. J'en fais trop, peut-être. Peut-être. Tu m'as envoyé ça sur quoi? En MP Twitter. Ah oui, c'est vrai que quand tu fais une demande de message, ça marche pas. Accepter. Elle est jolie en plus, hein. Faut que je vous la monte. Faut que je vous la monte. On va la monter sur l'écran. On va la monter sur l'écran. Elle est jolie. Hop. Regardez. Regardez comme je suis beau. Et je suis beau, hein. Franchement, le contraste et tout, elle est insane la photo, hein. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, hein. Tu sens, hein, quand c'est des professionnels qui prennent les photos. En plus, je m'occupe d'une Xbox, et ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Bon, c'est dommage, malheureusement, on était obligé de porter les masques et tout. Mais vraiment, elle est très, très bien, cette photo, hein. Regardez, en train de passer l'aspirateur, comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec le petit t-shirt Back to the Future, impeccable. Ah, putain, elle est très bien. Merci beaucoup, hein. Franchement, tu régales. Hein. J'avais pas réalisé que t'étais en stream. Et si, si, j'étais en stream. Et oui. Et oui, et oui. Merci beaucoup, en tout cas. On dirait presque que tu sais ce que tu fais. Grave. On dirait un chirurgien de l'Elex, c'est trop classe. Mais grave, avec le masque et tout. Avec le bracelet, le collier MO5, bien sûr. À la, comme d'habitude. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je la garde, celle-là. Comme si j'allais l'acheter. Tu sais, on dirait... Allez, hop, corbeille. Cette photo, voir qu'elle va bosser, c'est tellement rare. Oui, bien vu, Oliver. Merci beaucoup. Beaucoup, une fois de plus, ton soutien. Comme d'habitude, merci beaucoup, Oliver. Hélène, une commuse, comme muse à l'envers. Quoi? Quoi? Comment? Jeunes gens, on va pas s'attarder plus longtemps. Ça aura été un petit lundi, seulement 5 heures de live. Ok. Cornemuse, bien vu, elle est marrante. Elle est marrante, elle est marrante, j'aime bien. Je vois que vous êtes encore très nombreux, donc ce serait dommage de ne pas en faire profiter un copain. Donc comme à l'accoutumée, on va, je vous envoie chez quelqu'un, et c'est notamment chez Woody. Envoyez-lui un max de ce fort, bien entendu, c'est de la qualité sur Twitch. Ça fait des lives notamment sur de la lutherie, tout simplement. Il refait des guitares, il en construit de A à Z, enfin bref, il fait plein de choses. Vraiment, allez le suivre, allez voir, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Nous, on se retrouve demain, on continue le projet fil rouge de la chaîne, c'est-à-dire la PlayStation 1 miroir, et oui, PlayStation 5, la PlayStation 1 dans un cadre, avec un film miroir dessus, donc ça, on continue ça demain, ça va être très cool. Merci, merci Inforia, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là, vous êtes encore très nombreux, merci énormément pour les raids, hein. Vous avez carry là-dessus comme d'habitude. Je vous envoie chez l'excellent
chez l'excellent Woody. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux de la description, YouTube, Discord, Instagram, Twitter. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à follow le Twitch également. Encore merci pour tout, merci pour les abonnements, merci pour les follow, merci pour les raids, merci pour les subs, merci pour tout. Vous êtes géniaux. Grâce à vous, la chaîne marche plutôt bien et ça, ça fait plaisir. Bref, on se dit à demain. N'hésitez pas à follow le Woody, bien entendu. Et tchuss. Et bye bye. Salut tout le monde. Allez, tchuss. Allez, hein. À bientôt, hein. Salut. Bye bye bye, hein. Au revoir.